Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est encore une vidéo achat. Donc nous sommes allés aujourd'hui dans un petit parc animalier et dans la boutique souvenir ils vendaient quelques slèches. Donc j'en ai trouvé 5, je pense, oui 5. Donc je vais tout de suite vous les présenter. Alors le premier, je suis un peu déçue, je vais vous expliquer pourquoi il est dans cet état-là. Donc je vais essayer que la mise au point se fasse. Donc voilà, donc comme vous voyez, bah, il est assez abîmé, il est un peu sale. Enfin, il est plus sale qu'abîmé. Je n'ai pas encore tenté de le laver avec l'éponge magique, ce que j'essayerai de faire après la vidéo. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce petit cochon se retrouve comme ça. C'est parce qu'en fait, ils mettent un modèle de leur figurine dans les vitrines. Qu'on peut choisir bah, au magasin, vous choisissez la figurine que vous voulez. Et ensuite, ils vont les chercher en réserve. Sauf que en réserve, ils sont tous mis dans des bacs les uns sur les autres. Donc franchement, si je savais qu'ils étaient comme ça, eh ben, je n'en aurais pas acheté. Parce que celui en vitrine était en parfait état. Je pensais qu'on allait me donner celui qui était dans la vitrine. Mais non, j'en ai eu un qui était dans un bac. Donc il faudra que je le nettoie avec l'éponge magique. Oh sinon, celui-ci, c'était 6 euros. Donc voilà. Et l'année, je vous ai pas encore dit, c'est de 2004. Donc voilà, on voit, voilà, 2004 pour celui-ci. Ça fait la mise au point derrière. Ensuite, j'ai pris. Donc franchement, celui-là, celui qui est vraiment sale. Après, j'ai un autre aussi. Donc voici celui-ci. Donc voilà, celui-ci, c'était celui qui restait dans la vitrine. C'était le dernier. J'avais vu qu'il était un peu abîmé, mais je me suis dit que j'allais quand même le prendre. Car bah, il est assez ancien. Comme vous voyez, bah, l'étiquette est même en train de se décomposer. Bah, elle s'émiette. Voilà, elle est tellement vieille. Donc pour ce mouton, je n'ai pas trouvé la date. En dessous, bah, il n'y a pas noté la date. Il est juste noté la marque et où il a été fabriqué. Et là, un point bleu. Donc si quelqu'un connaît l'année de ce petit mouton, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc voilà, pour celui-ci, donc lui, c'était aussi 6 euros, donc avec le point rouge. Ensuite, on va passer au suivant. Donc j'ai trouvé ce petit bébé. Donc je pense que c'est un bébé loup. Donc voilà, celui-ci, c'était le dernier aussi qui restait en vitrine. Donc je l'ai pris. Il était trop mignon lui aussi. Donc lui, c'était 5 euros par contre. C'est un peu cher dans les parcs animaliers, le slèche, mais je me suis dit que j'allais aller dans ce parc qu'une seule fois et autant me faire plaisir. Donc voilà, et si on voit sa référence. Donc il est trop mignon, je trouve. Sa petite tête trop chou. Bon là, on voit pas très bien ses yeux, mais voilà. Lui, l'année, il est assez récent. C'est un de 2018. On voit pas très bien, mais c'est un de 2018. Alors ensuite, j'ai pris un petit couple. Donc j'ai pris le couple poule et coq. Donc voilà le coq. Donc je vais vous les montrer un par un. Donc le coq est plus ancien que la poule. Donc le coq c'est un 2009. Attends, je vais faire la mise au point. Voilà, donc le coq c'est un 2009. Lui, bah, rien à dire. Il est vraiment en parfait état comme le bébé loup. J'en ai vraiment un peu abîmé le mouton et un sale, mais celui qui est sale, je vais nettoyer, je suis sûre que ça va partir. Et ensuite, on a ici la petite poule. Donc là, voilà, elle est toute mignonne aussi. Elle est beaucoup plus récente que le coq. Elle est de 2017. Voilà. On peut voir en dessous de 2017. Donc voilà pour les petits animaux. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo. Si vraiment quelqu'un sait sa date, ça m'aiderait vraiment beaucoup de me la donner en commentaire. Je serais vraiment très contente si quelqu'un pourrait me dire son année. Car j'ai vraiment pas trouvé dessous, je vais faire des recherches et je vais essayer de trouver, mais je suis pas sûre d'y arriver toute seule. Parce que je m'y connais pas assez en autres petits animaux que les chevaux, je m'y connais plus en chevaux, slash. Mais voilà. Donc la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était très court, mais j'avais pas besoin de plus de temps pour vous présenter ces petites figurines. Donc je suis assez contente de mes petites trouvailles, surtout ces deux-là, surtout lui, il est assez ancien, c'est juste qu'il est un peu abîmé, ça c'est dommage. Et lui aussi, j'aime beaucoup le coq, j'avais pas encore de coq ni de poule, comme ça j'en aurai un. J'aurai le petit couple et bah, c'est génial du coup.
Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis au revoir.